Donc, on retrouve trois éléments de diagnostic au sein de l'anorexie mentale. On retrouve l'anorexie, l'amaigrissement et la dysmorphophobie. Donc, concernant l'anorexie, c'est une notion de restriction alimentaire, donc qualitative, en particulier une restriction sur l'apport de matière grasse, mais également quantitative. On a un amaigrissement, donc une perte de poids, ou alors une incapacité à prendre du poids chez les patientes qui sont déjà très maigres. Et enfin, on retrouve également la notion de dysmorphophobie, où les patientes ne se voient pas comme elles sont, elles se voient à un poids normal, voire elles se voient beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont.